La consultation publique de psychanalyse est un dispositif qui permet à toute personne en souffrance de rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste selon ses moyens financiers. Donc ça permet aux étudiants, aux chômeurs, aux personnes en situation de maladie grave ou psychiatrique de démarrer une psychothérapie ou une psychanalyse. Le clinicien est ainsi engagé dans la vie sociale, dans la vie de la cité, puisqu'il reçoit sa consultation privée des personnes ayant peu de moyens financiers. La cure psychothérapique ou psychanalytique est ainsi rendue possible à toute personne. Ça participe aussi du désengorgement de l'institution publique qui actuellement est saturée. Elle ne peut plus prendre en charge les soins psychiques puisqu'elle est actuellement dans une logique comptable plutôt qu'une logique clinique. Les personnes qui sont en psychothérapie ou en psychanalyse sont plus apaisées. Si elles sont en arrêt maladie, elles peuvent reprendre le chemin du travail. Pour celles qui ne travaillent pas, elles trouvent un emploi et peuvent vivre de leur travail. Et pour celles qui sont déjà en poste et qui sont dans des situations de difficulté au travail, elles peuvent changer de poste, être mieux payées. Et ainsi, tout le monde est gagnant, le clinicien, le patient, le psychanalysant, puisque le clinicien se voit aussi augmenter ses honoraires, puisque la personne peut à ce moment-là payer mieux que ce qu'elle pouvait au départ. Ce que je remarque, c'est que les étudiants en psychologie et ce que j'entends à l'université, c'est que les étudiants ne savent pas aujourd'hui, ne sont pas formés à recevoir des patients, ne savent pas comment faire et retardent leur prise de poste sur le marché du travail pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas de poste à la sortie de leurs études. Et première chose, et deuxième chose, c'est qu'ils ne savent tout simplement pas comment faire et donc ils ne sont pas pressés d'entrer sur le marché du travail, ce qui pose question. La CPP peut ainsi répondre à la formation des jeunes cliniciens à la sortie de l'université ou pendant leurs études.